Hey, salut tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. Alors une petite vidéo tuto aujourd'hui, j'ai testé pour vous la Loot Cave de Mars et je la trouve totalement bidon, mais alors bidon de chez bidon, je vais vous dire pourquoi au fur et à mesure de cette vidéo. Donc vous me voyez actuellement en train de faire la route pour me rendre à cette fameuse grotte qui se trouve un petit peu sur votre droite quand vous spawnez en exploration sur Mars. Donc je l'ai testé pendant pas loin de 3 quarts d'heure et voilà, je vais vous expliquer pourquoi je la trouve vraiment nulle. Donc la première raison, c'est qu'il n'y a que 2 ennemis qui spawnent à chaque fois, parfois 3, mais c'est très très rare. Et donc moins il y a d'ennemis, moins il y a d'engrammes, donc déjà c'est pas du tout un bon critère. Ensuite, la deuxième chose, c'est que cette grotte a subi le patch et donc emporte les séquelles, puisque les ennemis ne spawnent que toutes les 40 secondes. Donc le spawn est vraiment trop trop lent, donc voilà, ça ne m'intéresse pas du tout de faire ce genre de grotte, sachant que voilà, j'y suis restée 3 quarts d'heure, j'ai dû avoir 6 engrammes dans un seul bleu, donc c'est vraiment pas du tout efficace. Et la troisième raison, c'est qu'il y a quelques jours, j'ai testé une autre grotte. Donc c'est une cave, un spawn qui se trouve dans un bâtiment de Vénus. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, si vous voulez, je vous la mettrai dans la description. Et je trouve que ce spawn-là, en comparaison, est complètement beaucoup plus efficace, mais même à 200%. Déjà parce qu'il y a beaucoup plus d'ennemis qui spawnent, et surtout ensuite parce qu'ils respawnent directement après qu'ils aient été tués, c'est vraiment très rapide, c'est quasiment instantané. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas photo. Si on compare, c'est vraiment beaucoup plus efficace d'aller sur Vénus que sur Mars. Maintenant, comme c'est un peu la loot cave dont tout le monde parle en ce moment, bah, j'avais envie de tester et de vous partager mon expérience. Pour celle de Vénus, j'ai dû jouer en tout une demi-heure. J'ai eu des dizaines d'engrammes, dont 6 ou 7 bleus. Donc pour moi, il n'y a pas photo. C'est vraiment super efficace d'aller sur Vénus plutôt que de rester dans cette espèce de grotte sur Mars. Voilà, donc pour ceux qui feraient des remarques, sachez que je ne pratique pas les farms d'engrammes de manière générale. Je les teste uniquement pour faire partager les techniques pour les personnes qui sont adeptes de ce genre de bug. Moi, je ne le fais pas habituellement, j'ai monté mes persos de façon légite. Mais contrairement aux autres, j'ai un esprit plutôt ouvert, donc ça ne me dérange pas de partager ces techniques. Et si jamais ça peut aider des personnes qui ont du mal, qui n'ont pas souvent le temps de jouer ou qui sont tout petit niveau, et bien voilà, ça me fait plaisir de vous aider. Donc, je continuerai à partager ce genre de techniques. En attendant, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao !